Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Dark Otai, épisode 13 sur Talos Principal. Du coup, on avait terminé ce monde, je suis très content, on avait terminé ce monde, tout est ok, 1 sur 1, machin, tout est... Ah non, c'est là. Par contre, il y a marqué 0 sur 1, le laboratoire perdu. Et ça, je ne comprends pas, et ça m'embête. Bon, écoutez, on verra tantôt, déjà, on va monter dans la tour. Et oui, laboratoire perdu, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si c'est pas l'hologramme orange du chip là. Oh là 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 là, vas-y. Bon, c'est encore le sphinx ou pas? Ah non, c'est celle qui parle bien. Pando, tu te rapproches encore de la flamme. Ouais, mais c'est bon, je veux pas savoir ce que tu as à me raconter. Passer. On va dire madame, je suis un robot. Allez. Elle est pas contente, c'est pas grave, c'est pareil. Ça m'empêchera pas d'aller faire les autres énigmes. Ok. Allez, trophée, vallée inondée. Parfait. Maintenant, laboratoire perdu, à quoi ça correspond? Je ne sais pas. Est-ce que je triche? Ouais, on va tricher. On va tricher. C'est pas vraiment de la triche, mais laboratoire perdu, Talos Principle 2. En fait, c'est juste pour savoir à quoi ça correspond. Parce que franchement, je ne sais pas. Alors, Talos Principle 2, qu'est-ce qu'ils me disent? Nanana, laboratoire perdu. Alors. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, c'est les laboratoires perdus, c'est les trucs où on doit trouver le souterrain. Ok. Bon. Maintenant, on va essayer de le trouver. C'est ça, le laboratoire perdu, en fait. Je pensais que c'était le comment ça s'appelle? Bah, l'hologramme, en fait. Donc, bah, vous savez quoi? On va rapidement faire un tour, mais alors très rapidement, de la map, pour voir si on arrive à le trouver. Si on le trouve pas, c'est pas grave. De toute façon, on va chercher où dans une forêt ou dans... Bah, de toute façon, ça sera à flanc de montagne, je pense. Est-ce qu'il y a des numéros? Il y a des numéros, on part par où? À droite ou à gauche? À droite, je pense pas, parce qu'il n'y a que de la forêt. On va partir à gauche. On va voir si on trouve quelque chose, je n'en suis vraiment pas sûr. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Là, il y a la porte, là, comme ça. Ok. On va tout faire dans ce sens-là. Hein. Alors, on va regarder. Est-ce que c'est à flanc, ici? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque part perdu, à flanc de montagne, quelque part là-dedans. J'espère. Est-ce que ce serait quelque part par là? Wow. Ici. Non. Ça va être complicado, hein? On va se faire le tour par là. C'est quoi cet endroit là? Je ne sais pas. On est à l'épreuve quoi là? Ça c'est l'épreuve 6, ça on s'en fout de l'épreuve 6. Bah voilà. C'est ça. Ah, en plus il y a un. Hein, chercher les plantes dans un labo. En plus regardez, c'était. Ah mais c'était marqué sur la minimap certainement alors. J'ai même pas fait gaffe. Bon bah écoutez, on a de la chance, on l'a trouvé en 2-2. Par là. Ah! Il y a Byron. Ouais, tout passé, on s'en fout, Byron. Allez, on passe, tu penses? Yes. Honnêtement, on va dire, je l'espère, comme ça on reste positif. Il est content, merci 1K, ok, très très cool.
Oh là là. Hop. Ouf. Ouh. Mais là, c'est un master labo, c'est quoi ce bordel? Je lis pas, hein. Well. On devrait essayer, voilà. On va dire, on prend les données, je veux pas me brancher. C'est dommage, j'aurais bien tenté de me brancher en vrai, mais bon. Si jamais c'est pas ce qu'il veut. Prototype, Sono Syndrome. Ok, bon. Ah, c'est là. Oh, c'est de la téléportation de matière. J'ai bien peur que ce soit le prochain. Le prochain gimmick. Ah, on va avoir encore une vision de fou furieux. Ok. Oh. Prochain gimmick de gameplay, ce sera peut-être la téléportation. La singularité, mes couilles. Est-ce qu'on a les données? Oui, je crois qu'on vient de rendre la physique quantique obsolète. Ouais. Putain, j'ai l'impression d'être dans la. Regardez la couleur de ma caméra. On doit pouvoir reproduire ces résultats. Passé, je veux pas savoir. Ok, allez, très bien. Désolé, hein, si vous vouliez savoir l'histoire, eh ben non. Ah, j'ai retrouvé une vraie couleur. Je vais bien, j'ai revu Athéna, machin, voilà, pif paf pouf, parle-moi d'elle. Putain, des premiers à ce qu'elle s'est réveillée, pourquoi elle est partie? Pardon, elle n'aurait pas dû revenir, elle a juste lancé ses convictions, je veux dire. Alors, en effet, voilà, ok, très bien, parfait. Je sais pas ce que j'ai dit exactement, mais. C'est très bien, moi là j'ai bien le laboratoire, c'est validé et c'est adjugé. Mauvais sens, encore mauvais sens par là. Ok, let's go. Bon, maintenant on peut se casser. Vers la minimap, il y a un point d'interrogation sur la minimap encore. Car un endroit auquel je ne suis pas allé. Je me noie pas. Mais oui, il y a des plein de points d'interrogation sur la carte. On ne sait pas ce qu'ils sont censés être, c'est pas l'interrogation, mais on va les voir. Et après, on va partir sur le prochain niveau. Écoutez, là, on a bien visité ce niveau, je pense. Ah, je pensais que c'était cette structure, le point d'interrogation. Pas du tout. Ah, c'est ça, je l'ai pas activé, ça. Du texte. Ok, bon. Moi je vais m'enfuir. Attendez, il y a encore un point d'interrogation là-bas. Ah mais je la vois, c'est la main, c'est bon, on s'en fout. Là-bas. Le Shame Trail, là, la capsule. Je peux traverser ou je vais mourir. Je vais passer par là. Ah, je suis bloqué. Bon. Allez, je veux faire la suite des énigmes. Je suis chaud là. Par là-bas. On a tout fait. On a 8 sur 8. On a clean la map. Inspecter les vestiges. Ah ouais, ok. Bon bah écoutez. Ça c'est fait. On prend. Hein. Ouais, c'est par là. Hop, allez, Zubai. Zbordi. On entre la capsule, donc là c'est le nord. Là j'étais quoi? Nord 1, nord 2. Ah c'est ça, c'est nord 3, marée, je sais pas quoi. Voyager vers nord 3. Oui, Zbordi. On va voir hein, qu'est-ce que ça va nous révéler comme nouvelle mécanique passée. Passée, ouais, c'est bon. Et bon. Le 1 était plus court, du coup, parce que tout était déconcentré. Là il y avait un peu plus de visites. Ah, une zone inondée encore. La plupart des colonies ont été entièrement engloutis par la mer. Au sud de la Nouvelle-Jérusalem, une ville entière est sous l'eau. Ah ouais, d'accord, ok. Nous sommes allés avec Garrus quand j'étais apprenti. C'était lugubre, ouais, tu m'étonnes.
Quand je dépasse les limites, voilà ce qui arrive. Oog, bon, la nature finit toujours par prendre sa revanche. Bah ouais. Réseau des énigmes. Donc, il y en a 8, les deux machins, tout est toujours tout pareil. Le truc, il sera là, pour aller dans la méga structure, qu'on dirait la tour Eiffel, là, vue d'en bas. Bon, allez, c'est parti, niveau 1. Il est là, le niveau 1. Ouais, il est là, il est bien, il était tout à côté. Allez, comme d'hab, on fait les énigmes en premier. Substitution. Apporter un élément à échanger. Ça y est, une nouvelle mécanique de gameplay. Cette dalle, la date de substitution. Détacher le ventilateur. Et si je saute là, il se passe rien. Bon bah de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est genre détacher ça. Et le substituer, échanger les éléments. Et bah du coup, brouilleur, je brouille ça. Ouf, ça fait tomber ça. Donc là, incroyable. Et ensuite... Où est censé être la suite du niveau? C'est une excellente question, la famille. Je ne sais pas. Donc, apporter un élément, échanger les éléments, récupère ça. Admettons, ça je le poste, maintenant je peux sauter par-dessus, c'est ça? Hop, et c'est... Ah bah c'est là, ok, très bien. Allez, à juger. Bon, j'ai compris que maintenant je vais devoir échanger certains objets. Allez. Le niveau 2, par là, bandit. Là-bas, il y a un truc, je vais d'abord voir ce qu'il y a là-bas. Ça y est, je commence déjà à me perdre, c'est n'importe quoi. Damien, arrête de faire des conneries. Attendez, il y a une dalle où on pose la main. Hop, du texte et une photo. Hop, très bien. Si c'est le numéro 2, on s'est gavé. Si c'est le numéro 2, on s'est gavé. On a juste cut à travers le chemin. Ok. Alors là-bas, il y aura peut-être des trucs, mais on verra ça plus tard. Ok, alors. Possibilité. Un laser. Il y a du vent. Qui m'amène pour prendre le cube. Et là, il y a un élément de substitution. Il faudra que j'aille ici. Ok, bon, là, quoi qu'il arrive, si je fais ça, hop, ouf, je prends l'hexaèdre, merci, je l'échange avec ça, ouf, ça, je vais faire comme ça, hop, ouh, il a eu le temps de charger juste à temps, et je le pose où? Il n'y a pas de récepteur bleu, juste un laser bleu. Et ensuite, comment je monte là-haut? Attendez, je vais essayer un truc. Ça, je vais le prendre. Hop. À mon avis, ça, il fallait que je le pose là pour qu'il réagisse à ça. Ah, mais il est là. Mais le problème, c'est que lui, il est fermé. Donc, il faudra que je pose un truc. Parce que là, ok, ça c'est bien, c'est cool. Mais hé, et après. Ah, mais. Ah, non. Parce que là, en fait, ça, je peux pas le. Ah, bah si, je peux monter par-dessus, non? Attends. Ah, non. Je suis obligé de faire comme ça en premier. Hop. Ça, je l'échange. Hop. Ça, je le pose. Hop. Je monte. Lui. Je le récupère, je l'échange avec lui. Lui, il vise là, je le pose. Ouf, et voilà. Okay. Tout va bien pour ce niveau. Allez, on va enchaîner avec le 3. J'ai envie de tout explorer, c'est terrible. 3, par là-bas, allez. On va essayer de pas se perdre. Ah, c'est une étoile. Qu'est-ce que c'est? Photo. Photo, la chaîne T. Quand il y a un truc comme ça, moi je cherche pas à savoir. C'est directement photo. En plus, il y a l'ombre d'un arbre et tout. Je sais pas ce que ça représente, mais admettons. Bon.
Donc on est allé là, on suit le chemin, on suit le chemin, on suit le chemin. Le 3. C'est bien parce que tout est posé sur des berges comme ça et tout, c'est trop stylé. Là-bas c'était le 2, il y avait l'étoile, ok. Ah, attends, on va de faire le tour vite fait. Pour voir ce qui nous attend de l'autre côté. Non. Il y a juste des terres inondées. Avec la petite musique. Merde, je suis mort. Non, pas mort. Incroyable. Bon, allez, on fait le 3. Isabelle, le mur. Ok, là, il y a une foreuse. Là, il y a ça. Un cube, un laser rouge qui fait one, qui passe à travers, qui fait two. Et le laser rouge, il lui me sert à garder cette porte ouverte. Ok. Bon. Et un brouilleur. Donc là, bah, déjà techniquement, on va pas se casser la tête. On va prendre lui. Hop. Ah non, je peux pas passer à travers. Bah, de toute façon, regarde. Hop. 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 Ah, et du coup, il peut pas fonctionner. Et je peux pas brouiller à travers. Oh là 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 là, ça y est, c'est la catastrophe. Et ça, ça peut rien brouiller, ça. Il y a pas un truc en hauteur? Bah non. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je brouille, frère? Ah, il faut que je fasse passer par là avec la foreuse. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc pour l'instant, hop. Pour l'instant, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. Le cube, je l'embarque, il me servira pour là-bas. Ok, et donc là, je fais ça. Je vais faire passer à travers lui. Mais je dois récupérer un truc ici. Ok, un peu incroyable. Ça me va très bien, ça, comme truc. Là, je fais ça, ça. Là, je change les éléments. Je le récupère, je le pose là. Et lui, hop, je repose là. Donc maintenant, ça, je le récupère, je le change avec lui. Le brouillard, je le pose et je passe là. Ok. Parfait. Bon, pour l'instant, c'est pas trop compliqué, on a de la chance. Le 4. Le 4. Et de la forêt, je suis sûr, il y a des dingueries hein, à cet endroit-là. Ouais, je suis sûr, il y a des dingueries à visiter. N'inquiétez pas, cette fois-ci on va essayer de rester carré, on va se faire vraiment un épisode énigme. Et dans le prochain épisode, du coup, ça va être vraiment beaucoup plus exploration parce que ça m'a l'air immense. Là, pour tout trouver, ça va être immense, immense, immense. Et là, je suis perdu. Ah, donc le 4 il est là-bas, et après je reviendrai là. Ok, c'est parti, on va là-haut. On suit le chemin. On sort pas des chemins. Ah. Ok, la suite ce sera par là-bas. Donc là, le 4 il est là-haut. C'est l'énorme temple. Ok. Oh là, j'ai peur que ce niveau soit immense de ouf. Oh là là, ça va être immense. Non. Bon, pas tant. Prison. Donc, on a ça. On a. Ok. Bon, bah, de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas 36 milliards de solutions, hein, j'ai envie de vous dire. Prison, parce que lui il est en prison, le réflecteur, c'est ça? Ah non, c'est lui qui est en prison. Et là, il n'y a aucun moyen d'y aller là. Hein. À moins que de l'autre côté, il y a un ventilateur ou un cube ou un truc. Il y a un cube, il y a deux cubes. Ah, ça va, ok. Il y a deux cubes et il y a encore un réflecteur. Et là, il y a un cube là aussi. Et ensuite, de ce côté-là, il me faudra le laser rouge pour récupérer celui-là. Et ensuite, le laser rouge doit l'amener ici pour. Là et après un bleu. Ouh là 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 là. Ok. Bon. Alors.
Là déjà, quoi qu'il arrive, on fait ça, pouf, ça, on fait ça, pouf. Ça ne change absolument rien. Okay. Incroyable. Parce que ça, je peux pas le désactiver. En fait, il va m'en falloir... il me faut les trois. Hein. Il me faut les trois. Et là, ah, je peux le laisser activer en bleu. Alors, ok, je peux le laisser activer en bleu. C'est exactement ce qu'on va faire. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça marche pas, c'est normal. Hop, adios. 1, 2, 3, 4, ouf. Comment je le laisse ouvert ? Ah, j'ai une idée de fou. Non, j'ai une idée nulle. J'ai pas d'idée. Lui, ça marche pas de toute façon. Non. Faut que je fasse dans l'autre sens en fait. Ah, ça vient couper. En vrai, il faut que je fasse ça. Ça, ça. Ah putain, j'aurais eu un cube. J'aurais posé sur un cube. Comme ça, il passait au-dessus de le laser. Et après, hop, ça restait activé. Je pouvais venir juste récupérer l'autre. J'ai pas d'autres réflecteurs. Aïe aïe aïe, ça y est, on commence à rentrer dans le dur là, les copains. Est-ce qu'il faut un rouge? Donc là, exactement ce qui va se passer, ça va être ça. Et ça. 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 Mais arrête de sélectionner ça. Ça. Et poser. Ok. Maintenant, toi. C'est bon, je le vois. Donc 1, 2, 3, posé. Lui, on le récupère. Ok. Bon, là, maintenant, on est tranquille. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais échanger. Comme ça, là, j'ai un cube. Ok, lui, j'en ai plus besoin. Lui. Il est là-bas, le bleu. Donc là, on va se mettre dans l'axe du bleu. On va le récupérer, on va prendre le bleu là-bas, on va le connecter à lui et on va le poser là. Donc là, il reste activé. Donc lui, maintenant, je peux le récupérer, j'en ai plus besoin. On est bien d'accord. Et là, ici, il me faudra un bleu et un rouge. Donc le rouge, je peux le récupérer de là, remettre là. Ah non, d'abord je sais. D'abord. Ah. Prends le connecteur et changer. J'ai un cube. J'ai deux cubes. Et j'ai trois cubes. Là, je me fais mon petit ascenseur. 1, 2, là je saute là, hop, j'ouvre la porte, ouf, je récupère mon nouveau connecteur, ok. Là les cubes, je vais peut-être devoir en garder un pour faire passer par-dessus. Et là, hop, celui-là je peux le récupérer. Lui aussi. Ah mais par contre là je dois me fermer l'accès au laser là. Ah mais c'est bon, ça m'a ouvert là. Très bien. Donc d'ici... Ah, je vais devoir refaire comme ça. Ok, ça m'ouvre la porte.
de là, je chope le laser rouge, je le mets là, hop. Ah. Parce que lui, il est mal placé aussi. Incroyable. Et donc, du coup, maintenant, connecteur bleu, hop, on échange. Et là, ça va être coupé par les lasers. Ah ah. Si, c'est bon, je sais. Toi, viens là. Lui, il peut faire 1, 2, hop. Maintenant, du coup, je peux re-récupérer lui. Mais attends, mais comment ? Le bleu, il passait bien là-dessus ? Ou je suis un sgeg ? Par contre, déjà, on va essayer de faire bleu, poser là, ok, et ici, hop, rouge, ah, ça passe pas, pourquoi ça passe pas? En plus là j'ai tout coupé comme un sgeg. Ok. Et oui parce que ça passe en dessous de lui, mais pas en dessous de l'autre. Donc. De toute façon il va me falloir soit encore un réflecteur. Je suis obligé d'avoir un cube. Mais là le problème. C'est que cette porte-là, du coup, après, elle est fermée. Sans ce laser de mort. Ou alors, il faudrait que je passe par là. Mais par là... C'est pas bon. Le laser rouge, il est là-bas. Ça va couper ma ligne. Quoi qu'il arrive, ça va la couper. Et ouais. Ah... J'essaye de me mettre. Non. Entre les deux. Non. Bon, alors, attends. Attends la chaîne T. Le laser bleu. Est-ce que je peux pas le faire passer par là-bas? Ça va me fermer la porte, c'est pas grave. Est-ce que le laser bleu, il peut pas passer par là? Tu vois ce que je veux dire? Parce que de là, quoi qu'il arrive, je pourrais le choper là-bas. Oui ou non? En faisant comme ça et comme ça. Voilà. Bon. Maintenant... Attends, parce que là, il a pas kiffé, là. 1, 2, 3. Ok. Maintenant, le laser rouge. Il est là. Et je le pose sur le cube. Ça passe, en hauteur, là, comme ça. Donc, juste dans ce petit espace, là. Si lui, je le mets là. Et que lui, je veux récupérer ça et ça et ça. C'est bon.
sais pas si c'était très académique, mais en tout cas j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Oh, il était pas simple ce niveau 4 hein. Ok, niveau 4, à juger. Bon, maintenant niveau 5. Donc là, il faut traverser par là-bas. The Bandy. En bas à gauche, il y a 7 messages en attente. Ah, c'est des hologrammes. C'est pas. C'est quoi? Can I suggest something? Of course, go ahead. The southern part of the island is completely dead. No animals, no plants. The soil is too alkaline for anything to live except bacteria. J'ai peur. Yes, that's why it's a good location for some of the experiments. Well, if we want to show that we can make the cosmos more beautiful, un brouilleur, un accumulateur. Et là, il y a encore un autre brouilleur. Bon, bah écoutez, à mon avis, je pense que là, ça parle à... Voilà. Ça, pour ça, on s'en tape. Je vais récupérer ce brouilleur-là pour ouvrir là. Et là, on a le laser bleu. Il faudra amener. Ok. Et ça, c'est pour ouvrir. Laser bleu, bah c'est du rouge, donc il faut amener le bleu. Donc là, quoi qu'il arrive, il va me falloir un inverseur. Et le truc là, ok. Ah. Lui il brouille, il se pose là. Donc lui il n'y a plus besoin du brouilleur là. Le brouilleur, est-ce que le brouilleur il peut brouiller pendant que je pose un truc ? Donc là j'ai du rouge. Donc j'ai plus besoin de ce brouilleur là. Ouais d'accord. Donc là ça là il est où? Lui je peux le prendre et je pourrais l'échanger contre ce brouilleur là. Ce brouilleur là qui va me brouiller ça. Donc ça je le récupère. Et il brouille là. Et lui je le récupère. Et je l'échange avec ça. Donc là j'ai un truc rouge. Un truc rouge. Je vais le poser là. Le brouilleur qui est en train de brouiller là. Non, il faut que les deux portes soient brouillées, sinon le laser il passe pas. Donc on va faire comme ça. Ça, 1, 2. Voilà. Et ensuite. Eh ben. Et en fait, il faut que j'arrive... Ah putain, il faut que je fasse 1, 1, 1, 1. Ok, c'est pour ça deux fois. On commence à amener lui. On l'amène là. Ok. Ensuite, je récupère ça. C'est pas évident. Bloqué.
Juste une question, je vais voir ce que ça dit, si ça marche ou pas. Est-ce que je peux le connecter? Non, je peux pas le connecter à ça. Oh là 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 là, ça va être un enfer ce niveau, ça va être un enfer. En gros, il me faudrait ces deux trucs là. Il me faudrait ça. Oh là là, incroyable. Et non, ou alors il faudrait faire comme ça. Et comme ça, et comme ça, et voilà. Et là, il faut que j'arrive à déverrouiller les trucs. Et qu'est-ce que je prends comme élément pour échanger? Parce que ça, admettons, je veux le connecter à ça. Est-ce que je peux l'échanger? Mais il se connectera pas. Donc comment je tiens les portes ouvertes? Il faut que j'apporte les deux là-bas. Il faut que lui, je l'apporte là-bas. Et que lui, je l'apporte là-bas. Mais à partir du moment où j'ai lui qui est là-bas. Tac, tac. Et après, je peux plus revenir en arrière. Parce que là, j'ai rien là pour changer là. Ce niveau va être dur, les gars. Je pense que c'est le niveau sur lequel on va galérer. Et qu'on va terminer la vidéo. Sauf si, Inch'Allah, j'arrive à trouver une solution. Parce que là, je peux pas me servir d'autres éléments. J'ai pas un autre élément qui traîne là. Je n'ai rien. Rien, rien, rien. Je peux pas le faire fonctionner là-dessus. Et il faut que, quoi qu'il arrive, mes deux brouilleurs, ils brouillent les deux. Encore. Ah, il active les deux. C'est bon, je l'ai. Oh là là là, il était pas facile, hein. Mais en vrai, il était pas facile, mais ça va. Ok, je pensais que... En fait... J'étais en train de réfléchir beaucoup trop loin et dès que je suis parti du principe où il fallait que lui il soit bleu pour être directement devant et par rouge et passer les deux objets, l'inverseur et ça, en fait après ça va.
Bon, ouais, finalement, ça va, on n'a pas passé tant de temps. Et après, on cherchera les deux triangles. 6, donc là, il y a un chemin, donc il y a un triangle là-bas. Donc on va d'abord faire le triangle. Je suppose que c'est là. On passe sous le pong. Un pong de pong. Donc le 6 est toujours là-bas, donc on va là. Ça se trouve, c'est pas du tout... Ah, on a trouvé le laboratoire secret. Bon, déjà, ça s'est pris. On prend. Laboratoire secret n'est pas accessible, on est d'accord. Hein. Je viens de là, après sinon il y a là. Et là c'est pareil, c'est tout cassé. De toute façon, je vois rien d'autre, hein. Il n'y a pas d'autre passage. Hein. On est d'accord, hein, la chaîne T. Est-ce que ça m'a déverrouillé sur la carte laboratoire secret? Oui, donc c'est bon, allez. Regarde, je viens, on n'en parle plus. Il y a des chemins de partout. C'est pas l'arc qu'il faut aller, mais... Je tente. Peut-être qu'on trouve sur une... On tombe sur une épreuve triangle. Je ne sais pas. C'est immense, immense, immense. On va se perdre. Oh là 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 là. Je préférais le premier niveau, là, dans le nord, où c'était tout easy. Toutes les épreuves étaient côte à côte. Moi, j'appréciais beaucoup plus ça. Peut-être un truc là-bas, écoutez, mais bon, on me dit que le 6 est là-bas, donc on va suivre les flèches. Y'a pas d'interrupteur, lui? Non. Non, le mec, il a peur, il voit les interrupteurs de partout. Ah, mais ça c'est le 7, mais j'ai pas fait le 6. Là-bas. Ah non, le 6 c'était par là-bas. Bon, bah écoutez, on retombe par là-bas. On va quand même essayer de les faire dans l'ordre. Pour augmenter la difficulté. Là, si, si, il est là. Et là-bas, il y a une main. On va faire la main. Il y a l'étoile en face. Oh là là, du texte, du texte, du texte. Et un téléchargement d'audio. Ok. Et en face, il y a une étoile. Et on y va comment? À l'étoile, on y va pas. On y va pas. Bloqué. She has this incredibly positive view of humanity. Allez, énigme numéro 6. We can accomplish anything, but it's not about her. She doesn't think that she's smarter or better than anyone else. She just looks at us. Chaque fois, ça monte en haut des strates comme ça, j'ai l'impression que ça va être immense le niveau. Et en fait, pas tant. Haut et bas. Alors, là, je peux sauter, puis ouf, hop, je récupère, je monte en haut. Là, il faudra qu'un truc reste appuyé ici pour que je récupère le machin. Donc là, bah, c'est exactement ce qu'on va faire. On va juste faire ça. Ah non, il faut intervertir. Ok. Oh là ! Il faut que j'apporte un truc pour l'intervertir en plus avec le... Ah, c'est un convertisseur. Ah, attends, laisse-moi tout examiner. Ah, l'arrivée est là. Et l'arrivée, il faut que je foute un truc bleu. Ici. Le bleu, il est où ? Ah, il y a du vert. Il y a du vert. Et c'est tout. Et du bleu. Le bleu, il va s'inverser en rouge. Et je vais avoir rouge et vert et ça donne du bleu pour mettre là. Ok, bah très bien. Bah, écoutez, a priori, il me faut quand même le convertisseur. Mais le convertisseur, je le remplacerai par le cube, un peu plus tard. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autre choix. Pour l'instant, je fais ça. Ça, je récupère le RGB, on échange. Waouh, incroyable, on a le RGB. Le RGB va venir me prendre le bleu qui est là-bas. Bizarrement, il est pile poil au bon endroit. Hein.
Et... Ah, mais il faut que je récupère aussi le cube, mais merde. Et c'est tout ce qu'il y a comme objet. Je peux pas démonter un truc, là. Pour l'instant. Et je dis bien... Non, c'est quoi qui arrive, il va falloir que j'aille là-haut. Quoi qu'il arrive, il va falloir que j'aille là-haut. Oh là 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 là. Mais je peux faire ça. Et lui le récupérer. Il me faut que je mette le cube là-haut, parce que le cube il sert à rien. Donc là, le but du jeu, pour l'instant, c'est de récupérer pour foutre le cube. Ça, on le prend. Ça, on en aura besoin. Ça, je peux l'échanger. Ok. Je peux le poser là. Ça, je le referme. Je le retourne là. Lui, je le remets là. Là, je prends le cube. Le cube, je le pose là-haut. Après, j'aurais plus besoin des ventilateurs. On intervertit. Parfait. On redescend. J'ai plus besoin des ventilateurs. Donc, je vais monter là. Hop, et je vais récupérer ce ventilateur-là. Ventilateur-là, qui va être posé là. Non. Pas du tout. Que je vais intervertir. Ça, je récupère lui. Ok. On a dit qu'on voulait du rouge. Donc lui, bah, tiens et tiens. Voilà. Ensuite, ah, il me faut le cube. Sa grand-mère l'a de chouin. Non, il me faut pas le cube. Raté. Vert et ça. Et pouf, et ça fait du rouge. Je le récupère. Je le vois là. Donc lui il va donner du rouge qui va le transformer en bleu qui va le mettre là. Parfait. Bon bah écoutez, ici. Franchement, lui je suis très content. Donc là c'était le 6, donc on peut retourner au 7 qu'on a vu sur le chemin un peu plus tôt. Par là-bas. Et si on fait vite le 7, Chala le 8, on le plie dans la foulée, c'est bon. Alors, propulsion. Ok, donc on a un cube, un inverseur, un laser. Ça pour sauter par-dessus, mais là je peux faire un trou. Donc là il y a le machin pour faire le trou. Ok, il y a un truc comme ça, et là il y a un machin rouge. Donc le machin rouge, il faut qu'il soit alimenté. Non, il faut qu'il soit posé là-haut. Ok, bon bah là jusque là c'est pas très compliqué. Enfin si, c'est compliqué. Parce que là, il me faut un truc pour le faire passer de l'autre côté. Donc là, je viens prendre le cube. J'en aurai absolument pas besoin du cube. Je le fais passer là. Je passe par là. Je récupère le cube. Le cube, je le remplace. Je prends lui. Lui, je le passe là. Tac. Après, j'aurai re-besoin du cube, bien sûr. Mais là, pour l'instant, ça, je le prends. Le laser, c'est là où j'ai besoin du cube. Non. Parce que je fais ça. Je le pose. Ah. Le bleu. Là-bas, il faudra du rouge. Hein. Donc, lui, il faudra que je le pose là comme ça. Il sera relié. Ça va ouvrir. Donc là, il va être chargé en bleu. Mais pour le moment, il me faut d'abord l'inverseur. Et pour avoir l'inverseur. Non, pour avoir l'inverseur, on va faire juste comme ça pour l'instant. C'est juste le temps de... Eh merde. Bon, il fallait le ventilateur pour faire tout ça directement là. Ou le cube.
Bon, il fallait le cube. Et le cube, il est où le cube? Ah putain. Ah merde. Bon, j'ai besoin du cube. Finalement. J'ai besoin du cube, mais faut que je fasse passer là. Donc lui. Là. 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 C'est une porte comme ça, je peux l'envoyer là-bas. Parce que là, entre nous. Entre nous. Oh là, même pas. Waouh, il est chargé en bleu, incroyable, il faut que ce soit chargé en rouge, hein, le baby. À moins que lui de la. De ici. Pouf. Je l'envoie là-dessus, il envoie là. Donc lui, je l'envoie le plus loin possible, genre là. Ok. Le cube, j'en ai plus besoin. Donc je le rééchange, je le refous là. Et là, par contre, il me faut un truc à mettre avec le RGB pour récupérer le RGB, le garder dans les mains. Le trou. Il faut le RGB là. La trouilloteuse. Non, on va faire l'inverse pour l'instant. Parce que là, je peux rien faire d'autre. Comme ça, après, je remets le trou. Et lui, de là-haut, il peut le récupérer et le renvoyer. Ah, mais il pourra pas le récupérer sur la. Sur le, la stèle. Et lui, je peux pas l'envoyer de l'autre côté non plus. Quoi qu'il arrive, le machin, là, je pourrais pas l'envoyer. Et lui, il faudrait qu'il soit posé là-haut. Et comme ça, je récupère le flux de lui, là-haut, rouge, pif, paf, pouf, incroyable. Et il faut que, quoi qu'il arrive... Ça va être over show, là. Ça va être overshow, ça me saoule déjà. Le cube, le cube, le cube. Le cube, il est très bien là, mais en vrai, le cube... Je monte avec ça, ou avec ça, ou avec l'autre truc. Donc ça, c'est pas le souci. C'est juste que quand il est là-dessus, en gros, vous allez capter le bail. C'est ce que je veux faire. Je vais vous expliquer. Le truc que je voyais... Le truc que je voyais, c'était ça. Je récupérais le bleu. Oh, trop bien. Et je le foutais là. Et ça inversait. Et c'était incroyable. Mais malheureusement... J'ai besoin de monter. C'est bon. Quand on va au bout des... En fait, c'est ça, c'est juste quand on va au bout des choses, après, c'est facile. Bon, bah, on va faire le 8 et puis après, on pourra se terminer. On pourra se laisser là. Il faut juste que j'aille au bout de ma pensée. Parce que j'ai une pensée, je la mets pas en place. Et en fait, la solution, elle vient toute seule après. Elle se livre à elle-même. Et on est au 8. Et après, on cherchera dans l'épisode prochain les triangles et tout le reste. Bon, allez, le 8. Transmission. Donc, on a un truc qui fait du vent. Waouh, incroyable. Si je monte, je vais là-haut. Oh, un brouilleur, bébou. Je vais le récupérer, le brouilleur. Est-ce que je le descends ou est-ce que je le laisse là-haut? Parce que je vais en avoir besoin. Ah, et... Parce que là, après, il y a une perceuse, là, aussi. Attends. Je réfléchis. Ah non, la perceuse, je vais devoir la mettre là pour remonter, pour descendre, descendre. Et en descendant, je vais tomber sur la bonne plateforme. Et là, il y a un truc rouge. Ah non. En fait, il faut juste que j'active le truc rouge. Et là, ça me fait sauter là. Donc, en fait, là, faire des trous là, ça me sert absolument à rien.
À moins qu'il y ait un objet. Il y a un objet, il y a un connecteur. Ok, donc si, il faut que je fasse des trous. Je suis un peu deg. La foreuse, elle est où? La foreuse, elle est là. Je peux descendre le brouilleur, le poser là. Et il y a le laser rouge aussi, donc il faudra qu'il y ait un truc qui reste appuyé là. Mais après, il y a le poteau de la street, il est là. Et là, en fait, pour l'instant, je peux pas. Donc là, il y a qu'un seul truc à faire. Pour l'instant, le seul truc à faire, c'est ça. Ok. D'ici, je ne peux rien faire. Donc pour l'instant, je récupère le brouilleur. Je brouille. Je pose. Je prends le contrôle. Lui, il n'a pas un objet avec lui. Bah non, bébou, sinon ça serait beaucoup trop beau. Lui, je le pose là. Non, lui, je reprends le contrôle de lui. Le brouilleur, on n'a pas besoin. Je descends le brouilleur. Tu vois ce que je veux dire? Le brouilleur. Entre nous, le brouilleur, je peux faire ça. Non, pas du tout. Moi, je vais là. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Toi, tu viens là. Tu prends le brouilleur. Le brouilleur, frérot, t'en as plus besoin. Tu peux l'échanger comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, je peux sauter là. Hop. Faire un trou là. Et sauter dans le trou. Je saute dans le trou. Oh, il faut que je l'échange avec un truc. Fils d'être. Juste sauter et arriver à l'arrivée. Est-ce que ça se tente comme move? Parce que en vrai, toute cette histoire de laser là. Ah putain, je peux pas. Ah franchement, j'aurais méga kiffé. Il faut que j'amène un truc avec moi. Il n'y a pas d'autre objet. Il n'y a pas d'autre objet. Si, il y a un autre objet. Comment je lui donne l'objet à lui maintenant? Je suis le pire. Des gays. J'en ai marre de moi. Faut que la foreuse je lui amène quand même à un moment donné. Voilà, non, lui, il faut qu'il fasse un trou. Et que je lui amène. Il y aura le connecteur. Donc il faut que je collecte en rouge. Le connecteur, il est là-haut. Je le récupère.
avec un objet dont j'ai pas besoin. C'est quoi que j'ai pas besoin? Le ventilateur. Le ventilateur, pour l'instant, il est là. Donc là, pour l'instant, en gros, c'est comme ça. Mais là, le brouilleur, en vrai, pour l'instant, c'est le brouilleur que j'ai pas besoin. Donc le brouilleur, il va aller finir là, le brouilleur, pour l'instant. Et donc ensuite, là, je peux récupérer ça, le mettre là, et ensuite, ça. Le troueur, je vais plus en avoir besoin, mais il faut quand même que je passe là pour lui donner. Et j'ai pas deux machins pour faire des trous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, c'est pas le machin pour faire des trous que je dois lui amener. C'est le ventilateur, parce que le ventilateur, après, j'aurais plus besoin de sauter là-haut. Mais le ventilateur, je peux pas sauter et le récupérer dans les mains. Ou alors c'est... Non, il faut que je lui apporte un truc dont je n'aurai plus besoin. Est-ce que je n'aurai plus besoin? C'est ou le ventilateur, ou la foreuse. La foreuse, je monte. Je fais un trou en haut, waouh, incroyable. Et je passe dans le trou, mais je peux pas récupérer la foreuse. C'est déjà dans le trou. Je vais aller au bout de mes idées, je vais arrêter de parler comme un sgeg pour rien. Là, je fais un trou, oh là là, incroyable. Je suis avec mon pote ici. Voilà, mon pote, Bing. Et ensuite, comment je fais? Je peux pas récupérer la foreuse. Voilà, on est deux sgegs. Comme des cons. Et je dois amener un truc à échanger. J'amène quoi? Le ventilateur? Je veux bien amener le ventilateur. Et là, il me faudra un truc ici. Et le brouilleur? Le brouilleur, le brouilleur, le brouilleur, le brouilleur, le brouilleur, le brouilleur. Et non, parce que le brouilleur, je change avec quoi? Le ventilateur? Et ensuite, le ventilateur, comment je monte en haut? Parce que là, oui, il faut que je l'alimente là, et après, ça va me faire sauter là-haut. Et waouh, incroyable, on aura terminé la mission. Faisons un petit tour de la map. Ventilateur. Je me mets là. Waouh, je ne peux plus sauter. Là, je suis là. Machin pour faire des trous. Incroyable, mais il faut quand même qu'il y ait un machin pour faire des trous pour que je puisse tomber avec un objet dedans. Sinon, je ne peux pas tomber avec un objet dedans. Et l'objet, ça ne peut être que le brouilleur. Ça ne peut être que le brouilleur. Ça peut être que ça. Et le brouilleur, je l'échange avec quoi? C'est bien le problème. Parce que là, je peux faire un trou, mais de part en bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je peux faire un trou comme ça et waouh, incroyable. Mais là, je prends quoi? Là, il faut bien que j'échange avec un truc. Si j'échange avec le ventilateur, j'ai mon brouilleur. Mais j'ai plus de ventilateur. Et si je monte avec mon ventilateur, j'ai pas le trou pour passer l'objet à travers. Ou alors, il faut que je monte un truc, tac, je redescende. Et ensuite, j'utilise ça. Regardez bien ce qui va se passer. Quand mes deux neurones arrivent à se connecter à peu près correctement.
pire des autistes. Et comment j'y vais maintenant là? Il me faut un truc pour faire les trous. J'aurais dû lui le laisser. Lui, j'aurais dû le laisser en haut. Toi, va-t'en. Tout le monde sort de là. Mais il me faut un objet là! Putain! Je suis en train de péter mon crâne. Je suis en train de péter mon crâne. Oh putain. Oh putain. C'est un cercle vicieux, hein. Là, j'aurais refait le avec la foreuse. Là, je récupérais la foreuse, je faisais un trou, j'interchangeais, c'était bon. Et c'était win. C'était 100% win. Par contre, maintenant, le fraté, il est là-haut. Et je ne peux rien faire. Parce que quoi qu'il arrive, il faudra que je pose le ventilateur. Et mon brouilleur, il est là. Il est trop dur ce niveau. J'y étais, hein. Dans mon cerveau, c'était tout bon. Mais là, je l'échange avec quoi? Il avait rien avec lui, là. Il suffisait d'une dalle. D'un détail, d'un truc. Là, je m'en fous, j'ai plus envie de sauter, là. Ça, je peux pas l'enlever? Et non. Casse mon crâne de fou furieux, ça me saoule. Je voulais juste aller en dessous, moi, à la base. Putain. Bah écoute. Je sais pas quoi dire. Ah, j'ai le seum parce que franchement, je pensais que là on allait y arriver en 2-2 et en fait, eh ben pas du tout. Parce que là, en fait, en vrai de vrai, je peux pas amener le ventilateur là-haut, c'est impossible. Il aurait fallu que ce soit Monsieur Connard qui monte avec un truc dans les mains. Il aurait fallu que Monsieur Connard monte avec le brouilleur dans les mains. Et le seul problème, c'est qu'il pourra pas monter avec ça dans les mains.
Parce que là, je mets quoi? Si j'ai pas le trou. Toi, tu peux en rester enfermé ici. Au pire du pire, c'est pas si grave. Donc lui, si je prends le contrôle et que ça, je l'enlève. Que je mets le brouilleur là, en attendant. Que ça, je l'intervertisse. Que ça, je le repose là. Que ça, je le prenne avec moi. Et non. Parce qu'il n'aura pas d'objet pour récupérer le truc après. Ah, il aurait fallu le ventilateur, mais il pourra plus sortir pour récupérer le ventilateur. J'en ai marre. Voilà, et ensuite. Et ensuite, rien du tout. On va pas sécher sur ce niveau quand même, les gars. C'était presque bon là. C'était gagné. C'était gagné à un détail près. Il faut qu'on arrive à réfléchir. Il faut que mon cerveau arrive à se connecter. Bon, désolé, hein, le live sera un peu plus long que prévu, mais là, il faut absolument que mon cerveau arrive à connecter correctement les choses. Je suis le pire des fils de pute, c'est bon ou pas pour vous? Je l'avais, la solution. Allez. Et la solution, tu l'as. T'es pas un autiste. Il est là-haut, le brouilleur. Si le brouilleur, il est là-haut. Il peut brouiller cette porte en restant là. Il l'a brouillé ou pas? Bien sûr qu'il l'a brouillé. Espèce d'autiste. Mets-toi bien où il faut. On va encore faire des dingueries. Et voilà la chaîne T. On l'a fait. Putain, je suis content. On aura terminé en une vidéo qui a duré un peu plus d'une heure, hein, très très clairement. Le niveau 8. Voilà, il y a une petite sauvegarde en bas. Et voilà, ça finit de pilonner. Bah écoutez, ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour un épisode d'exploration de la map. Et on va se faire quand même les deux petites épreuves triangles aussi qui nous manquent. Ciao tout le monde.